Allez, go. Pas mal pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 22 ans, le moteur est vachement régulier en tout cas. Tout ce que le gars a fait pour cette voiture, c'est remplacer les bougies, siphonner l'essence, donc il a mis de l'essence propre, de l'essence neuve et bougie neuve. Et oui, il a changé le démarreur aussi. Et c'est tout. Et elle tourne quand même vachement régulier, vachement feutré. Un peu, bon, mais c'est clair. Bon, déjà, d'une part, elle est froide, et puis d'autre part, il faut lui refaire toutes les vidanges, quoi. Enfin, ça a l'air de tourner. En tout cas, aussi, un signe intéressant, c'est la facilité avec laquelle elle démarre. Donc, non seulement elle semble être bien réglée, mais ben, comme on dit, un moteur sain, généralement, c'est un moteur qui se lance bien, qui démarre bien, quoi. Voilà. Les feux fonctionnent, les longues portées fonctionnent, les clignotants sur le capot fonctionnent aussi, le contour à l'intérieur fonctionne. C'est vraiment une voiture qui a été. Elle a commencé à être restaurée et pour je ne sais pas quelle raison, elle a été arrêtée. Okay. Oh. Turning lights? Yeah. Yep. Yep, left side. Ah, pédale de frein, fonctionne pas à droite. Mais... Ben voilà. Ben, un bon projet. Okay. Thanks. Very good. Un bon projet. Ouais, une voiture vraiment qui a été. Qui est restée dans un garage pendant 22 ans. Même pas une grange, hein, c'était vraiment dans un garage. Quoi, hein. Tout ce qui est encadrement, chrome, baguette, etc. autour du pare-brise, tout ça c'est bien enveloppé dans du papier, dans le coffre, dans les papiers journal. Donc c'est là quoi. Pareil, il y a un jeu de rétroviseur aussi neuf dans la voiture. L'intérieur est nickel. Les sièges sont en très bon état. Ce serait vraiment dommage d'y toucher, avant et arrière. L'arrière, il était rabaissé, donc complètement protégé. On l'a redressé et un coup d'éponge là-dessus et c'est nickel. Les parois intérieures là-bas, elles sont très très belles. Donc siège en dit impeccable. Les panneaux de porte sont à remplacer. Ils sont un peu... ouais, ils sont vieux, ça se voit. La moquette a l'air en très bon état. La moquette, faut pas la toucher. Le ciel de toit est en très bon état. La console qui fonctionne. Après les boutons là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais ça me paraît un peu bizarre. Mais ça fonctionne. Et puis voilà, la casque de tableau de bord, elle est un peu gondolée quoi, hein, avec le temps. Et puis ça, c'est affreux. Les façades, ben, ça coûte rien quoi. À remplacer évidemment quoi, tout ce qui est plastique ici quoi. Voilà, le frein à main fonctionne. On voit la pédale de frein avec l'estampille frein à disque. Voilà, donc il y a eu du travail de fait sur cette voiture. Les pneus sont neufs, alors neufs de chez neufs, même s'ils sont, ils ont quelques années. On voit à certains endroits, on voit encore les petits le caoutchouc qui dépasse. Ici, on le voit bien ici. Bon, par contre, c'est des pneus, on dirait des pneus de Jeep, hein. Ouais. Des pneus tout terrain. Bizarre. Voilà. Bon, qui ferme bien et tout. Voilà. Et le moteur, que dire sur le moteur, ouais, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont découpé le capot pour lui faire passer un filtre à air. C'est un peu dommage. Et à part ça, bah, le moteur a l'air. Bon, il n'y a trop rien à dire, quoi. Hein. Tout est là, et surtout, il tourne bien, quoi. On voit la clim. Pas la clim. Alternateur, direction assistée, assistance de frein, voilà le bon vieux 390, voilà, jam it.